La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib hop 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 Bib hop Bib hop Parlons bibliothèque. Calendrier de l'Avent, jour 3. Tous artistes, des ateliers artistiques pour renouer avec sa créativité. C'est le slogan défendu par le collectif Le Pan, un collectif de plus de 70 artistes qui propose des cours créatifs en mode décomplexé, sans jugement et plein d'humour, visant à libérer ou retrouver la créativité que chacun de nous possède. Les domaines et techniques sont très variés et vous en trouverez forcément un qui vous parle. Dessin au feutre, crayon de couleur, encre de Chine, modelage, linogravure, bande dessinée, mais aussi carnet de voyage, papier découpé. Entendez-vous le pan vous susurrer ? Mais non, pas ce pan-là ! On parle des artistes du pan. Peindre une œuvre abstraite en suivant son instinct. Dessine-moi un rêve. Coffee Illustration, pour dessiner avec du café soluble. Chocolat, pour dessiner avec du chocolat. Calligraphie, c'est si bon. Jeu de lumière au stabilo. Créer une carte de vœux à bracadabrante. Dessiner son autoportrait avec le cerveau droit. Déployer sa poésie dans un pliage. Inventer son herbier magique. Peindre les arbres comme un paysage intérieur. Réinventer ses souvenirs par l'art. Collage couture face. Créer à partir des sens. Chaque formation est animée par une présentatrice qui reçoit un artiste. Artiste qui va développer sa technique sur une durée d'en général 1h30. Une caméra qui surplombe la table permet de bien voir ce que montre ou réalise l'artiste. Le chapitrage permet de se retrouver dans la formation et de passer ou revenir sur un moment. Il n'y a plus qu'à se lancer. L'art sans se prendre la tête, c'est dans la rubrique auto-formation du site des ressources en ligne de l'AMDI. médiathèque-départementale.isère.fr. Bebop!